Hello les amis, comment allez-vous? La dernière vidéo, on a commencé sur une table, un carton, un bout de bois. Là, on a la table qui est sous-couchée, enfin le premier module de table qui est sous-couché. Donc nous avons différents types de grilles. Alors ça, je l'ai fait à l'aéro, mais on peut très bien le faire au brossage à sec. Le gris, hein, c'est du noir et du blanc de chez Action. Donc le noir, je sais pas où je l'ai foutu, il faut que je le retrouve. Parce que du coup, je l'ai rangé, tout simplement, il ne faut pas se prendre la tête. Là, on va faire une technique un peu rapide, c'est du slap shop, rapide, mais qui vaut le coup. C'est du blanc, alors du coup, vous mettez, ça c'est un vieux truc, hein, du blanc, un pinceau de brossage, un pinceau de maquillage, ça c'est très bien pour brosser gentiment, délicatement. Et on va brosser, on va faire en sorte de vraiment bien faire un bon brossage blanc sur l'ensemble du module, tout ce qui doit être peint. Derrière, parce qu'après on viendra appliquer des lavis tout simplement, et après ça on fera des huiles et théoriquement on aura terminé. Voilà, ça pourra, je pense, pas prendre énormément, ça prendra pas énormément de temps. Je pense qu'on pourra tout faire sur la vidéo et on aura terminé ce module là. J'ai vraiment hâte parce qu'il y a plein de choses à faire et ça c'est chouette. Je coupe, je prépare ça et on attaque. Le pinceau est suffisamment essuyé pour que quand on fasse ça. On a un début d'éclaircissement en fait. On éclaircit tous les pavés sans faire vraiment du. Vous y voyez, il faut que je cherche la lampe. Attendez, bougez pas, on va chercher la lampe. Donc, on reprend. Voilà, on voit mieux. Voilà. Là, vous voyez, quand on laisse des marques blanches comme ça, hop là, c'est que c'est pas bon sinon. Après, on va passer un lavis, donc c'est pas gênant, mais c'est que c'est trop chargé. Il faut vraiment. C'est un brossage, c'est pas y aller comme un bourrin en fait. Moi j'aime bien ce pinceau là parce qu'on peut faire les ronds. C'est Action, c'est un pinceau de maquillage, je sais pas comment ça coûte, mais ça fait une éternité que je l'ai. Il faut bien le rincer, par contre il faut bien attendre qu'il soit complètement sec pour l'utiliser parce que sinon vous allez avoir des soucis. Désolé, vous allez voir un peu ma main parce que mon bras est pas assez haut, pas assez grand pour aller plus haut que ça. Je suis vraiment désolé. On peut insister un peu à des endroits. Donc là, on n'hésite pas à recharger. Alors maintenant, on va faire ça en time-lapse. Et voilà, j'ai préféré arrêter là la vidéo car le bâtiment, enfin le module en lui-même est beaucoup trop haut pour que mon bras puisse capter quelque chose de correct au niveau de la peinture. Donc là, je vais vous mettre une petite vidéo de la peinture terminée sur ce module-là et on va reprendre au fur et à mesure la peinture sur les petits modules. Cela sera plus simple, vous y verrez beaucoup mieux et ça éviterait de voir ma grosse main parce qu'en fait, j'avais tourné 1h30 de vidéo et on voit ma main. Sur bien, on va dire 60 minutes, voilà, donc c'était pas possible. Donc là, je vous remercie, je vous mets une petite vidéo, et la semaine prochaine, on recommence un nouveau module, vous allez voir, c'est chouette. Merci beaucoup, bonne semaine!